Vous connaissez pas ma vie, mais je peux vous dire que j'ai passé des moments extraordinaires en Grande-Bretagne. C'était vraiment les meilleurs moments de ma vie, les trucs de ouf. J'étais jeune, j'étais chevelu, c'était beau et j'ai vraiment de l'amour complet pour la Grande-Bretagne. Ça tombe bien parce que la session qui va arriver va parler d'un produit espagnol. Ça va être vraiment extraordinaire parce qu'on va parler d'une marque que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Bowers & Wilkins. Et c'est pas pour rien que cette marque est ici sur le salon parce qu'il propose une sorte de renaissance d'un produit absolument culte que je pensais jamais voir réarriver. Donc nous sommes en live ici au salon PAVS. Il vous reste encore un tout petit peu de temps pour venir nous voir, pour voir ici les démonstrations, il y a de tout, les exposants sont ravis de vous voir. Ils ne vous ont pas vu pendant 2 ans, donc tout le monde est là, vous accueille les bras ouverts et les gens sont contents. Et les gens, c'est qui? C'est le public qui est là et que... Vraiment, merci, 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 merci. Le retour du public. On va retrouver un invité, continuez à applaudir, 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 applaudir. Bonjour Yann. Salut Pépé. Ça va Yann? Très bien. Je suis ravi de te voir. Ouais. Parce que c'est un grand moment d'abord de savoir que tu es ici avec moi, parce qu'on se connaît quand même et on travaille ensemble depuis longtemps. Et en plus, tu es là parce que tu représentes la marque Bowers & Wilkins. Bowers & Wilkins. Et là, tu es là pour un truc de toi, moi. On est entre nous. Est-ce que tu pensais, toi, en tant que professionnel, voir revenir ce produit-là? Non, clairement non. Voilà, on va faire une sorte de sondage. Est-ce que vous savez de quel produit on parle de B&W, Bowers & Wilkins? Est-ce que vous savez de quel produit on parle? Ce produit qui... Pardon? Le Zeppelin. Le Zeppelin. Et le Zeppelin qui revient. Alors le Zeppelin, c'est une sorte de ballon de rugby qu'on aurait vraiment écrasé. C'était la totale. Et pour rappeler un petit peu l'histoire du Zeppelin, c'était un choc quand il est sorti. C'était le premier, ouais. Le premier sur lequel on plugue un iPod. Et c'était la naissance de quelque chose. C'était la première naissance des docks. Il n'y avait pas de dock avant sur le marché. Donc c'est l'arrivée du dock sur le marché mondial. Donc ça a été une grosse révolution, une grosse attente, puisque ça permettait enfin de sortir la musique de son iPhone, puisqu'il n'y avait pas d'autre solution à l'heure actuelle. C'est dingue, les gens n'arrivaient pas à sortir de la musique. Là, on pluguait, il y avait donc le port, et directement on avait la musique de l'iPhone sur le Zeppelin, qui a en plus une qualité de ouf. Ah, qui a une super qualité, puisque ça utilise ce qu'on retrouve sur les enceintes classiques. Quoi. Et en plus, je ne sais pas, parce qu'à l'époque, tu n'étais pas là-bas, mais moi, j'avais parlé avec les gens de Bowers, qui m'avaient dit que c'était une des plus fortes ventes qu'ils aient jamais eues d'un produit sur les territoires européens. Ça a été un succès phénoménal, en fait, ce produit. C'était une révolution, personne ne s'attendait à ça. Et vraiment, un carton plein. Carton plein et un produit qui est mort en même temps que le concept. Exact. C'est-à-dire que le truc, le dock, où on avait des docks de tous les côtés qui venaient de tous les pays du monde, on pluguait avec les oreilles de Mickey et tout, il y a plein de trucs. Et quand ça s'est arrêté, le Zeppelin... s'est arrêté, pareil. Il a évolué. Il a évolué et maintenant... 2021, ben, Yann, raconte-nous un peu la live, je veux dire, c'est du délire. Ben, l'idée, c'est surtout que maintenant, les technologies sans fil ont vachement évolué. Donc, on a vraiment, avec de l'AirPlay 2, du Spotify Connect et d'autres services qui arriveront dans ce genre de service, avec ce genre de technologies, ça ouvre les portes à beaucoup de choses. C'est-à-dire que maintenant, on peut avoir une qualité audio via le Wi-Fi, qui est du 1644, voire plus. Oui. Donc, on peut vraiment bénéficier du système. Donc, c'est un bon retour, c'est le bon moment pour revenir avec un produit avec une super sonorité et ses connexions sans fil. Mais le truc, moi, j'aimerais savoir, quand on a connu justement le Zeppelin, ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire la conception acoustique, le nombre de haut-parleurs, est-ce qu'ils ont retranscrit exactement le calque d'il y a 15 ans en améliorant du streaming, connectivité, ouais. Ou est-ce qu'ils ont retravaillé? Ils ont complètement retravaillé, la forme est un petit peu différente, la coque est un petit peu différente, il y a des séparations qui ont été rajoutées dans l'intérieur, donc on a vraiment une meilleure séparation sur les tweeters, donc on a une meilleure image stéréo que sur l'ancien, donc on a vraiment un gain, on a aussi l'évolution des membranes qui ont bien avancé, qu'on utilise sur des séries 800 par exemple, donc on a vraiment des superbes membranes dans ce produit-là. Donc on a vraiment une qualité audio étonnante. Et parce qu'ils ont été obligés d'évoluer maintenant avec le streaming en haute définition, si on fait bouger les lignes, on n'est plus avec l'iPod, on est avec quelque chose qui peut être de haute qualité. Qui peut être de haute qualité. En plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi tous les DSP qui ont évolué. Les DSP ont énormément évolué, ce qui permet de contrôler les enceintes de manière beaucoup plus précise, de les faire travailler exactement comme on veut. Donc on a des réponses maintenant sur les enceintes de petit volume qui sont bien meilleures que ce qu'on avait il y a 10 ans ou même 5 ans encore en arrière. Alors, le truc, est-ce que le Zeppelin s'inscrit chez Bowers dans l'idée d'un produit solo ou est-ce que tu peux également l'intégrer, le marier à d'autres systèmes, je sais pas, comme Formation ou des trucs comme ça? Est-ce que c'est fait pour? C'est fait pour, pas tout de suite. C'est-à-dire qu'en gros, pour le moment, on a sorti une version qui est fonctionnelle, qui va tourner dans l'application Formation. On va le voir parmi ses autres produits Formation. Mais d'ici janvier, on sort une autre version de l'application
qui n'est pas finalisé à ce moment, et qui va permettre de faire du multi-room avec d'autres produits Zeppelin. Formation, directement. Alors, le truc, tu peux donner des petits détails sur le... Il y a la connectique, il en reste ou pas? Non, il n'y a plus de connectique. Il n'y a plus rien. Plus de connectique. C'est vraiment du sans fil, sans fil, 100%. Sans fil, totalement sans fil. Quoi, sans Alors, fil? Est-ce que... Moi, je me rappelle d'un tarif à l'époque qui était de 600 euros ou un truc comme ça. Est-ce que c'est toujours la même chose? C'est la même chose, on est dans les 700 euros, donc... Donc c'est l'effort de guerre. Est-ce que toi, tu sais pourquoi est-ce que Bowers, moi je vais poser les questions de journaliste, pourquoi est-ce que Bowers a fait ça? Est-ce que Bowers a fait ça parce que le reste fonctionne pas trop, donc c'est un retour sur le produit phare qui fait que les gens vont se souvenir que Bowers existe dans le monde entier? Ou est-ce que c'était vraiment un désir de dire, ah, tiens, il y a Apple Music qui balance, bon, on va sortir le truc? Non, c'était vraiment un désir de ressortir un produit iconique, parce que c'est sympa aussi d'avoir un produit qui a marqué le temps, c'est aussi presque 10 ans en arrière, donc c'était un bon moment pour le sortir. Et l'idée, c'est que vraiment la musique dématérialisée commence à vraiment porter, tout le monde l'utilise. Donc d'avoir un produit simple d'utilisation, parce que tout le monde ne veut pas une grosse paire d'enceintes, tout le monde ne veut pas une enceinte bibliothèque chez soi. Souvent, on veut des systèmes simples avec une bonne musicalité. Donc là, on a voulu ressortir quelque chose, améliorer encore l'image stéréo qu'on avait sur le Flex, qui est dans le système Formation. Donc grâce à cette forme-là, on a retrouvé cette liberté et cette image. Comment il est fait, voilà. Les tweeters au bout, c'est ça? Les tweeters sont au bout, donc ça permet d'avoir pratiquement une belle image stéréo. C'est sûr qu'on n'est pas tout à fait la même qualité qu'avec deux enceintes séparées à 2,50 m. Mais déjà, pour les gens qui ne connaissent pas, le produit est long. C'est-à-dire, ouais. C'est pas un produit comme ça, donc on les tire, on peut déjà avoir une scène puisque il y a pratiquement 60 cm. Les HP, on n'est pas sur quelque chose qui est restreint. Oui, il y a les 60 cm, donc ça permet de gagner. C'est comme si on mettait deux enceintes bibliothèques à plat avec les tweeters externes. Dans ce sens-là, cling, et on les plaçait une à côté de l'autre. Et avec légèrement incurvé, ce qui permet encore d'augmenter l'angle de tir. C'est du délire. Alors là, est-ce que donc toi, il y a une application pour la gérer? Il y a une application, ça sera la nouvelle application qui va remplacer d'ailleurs l'application pour tout System Formation qui va s'appeler maintenant Music App. D'accord. Qui va être plus simple puisqu'on avance sur l'ancienne application, on avait une application pour la mise en service. Donc ça, on l'enlève et maintenant tout sera dans l'application Music App qui sera plus simple, qui intègre beaucoup d'autres fonctions et qui va au fur et à mesure se développer. Là, on est encore en train d'écrire des lignes. Hier soir, j'étais encore en train de faire des traductions pour la future application. Donc ça va évoluer d'ici janvier, vous allez voir, cette application va vraiment prendre beaucoup d'avance. Alors là, je vous mets à la place des gens qui vont acheter ce produit, donc il est en vente dans combien de temps? Il sera en vente d'ici une semaine ou deux. D'ici une semaine, Noël approche, faites attention, ouais. C'est important. Dans une semaine, est-ce que moi j'ai un smartphone, je l'appelle en Bluetooth directement ou il faut que je fasse un tas de manipulations de tous les côtés, inscrire à mon compte chez Burroughs & Wilkins? Non, il suffit de prendre l'application, automatiquement il va détecter le produit qui est connecté, il y a un bouton à appuyer, automatiquement il va apparaître sur le téléphone, on lui donne le code Wi-Fi ou le code de Bluetooth et c'est parti. Un ou deux téléphones, un seul, one by one? One by one. One by one. Mise en réseau Wi-Fi. Mise en réseau Wi-Fi. Directement, spontané. J'ai des choses que je ne me souviens pas sur le produit parce que je l'ai en tête. Est-ce que tu as un afficheur sur le produit? Quelque chose qui te dit je reçois ça, ça, ça? Parce qu'après tout, l'application gère, mais on ne sait même pas ce qui est. Je reçois du MP3, du machin, on sait. Il y a juste des LEDs qui vont afficher selon les couleurs dans quel statut il est. Bleu, blanc, orange, rouge. Ça va donner les statuts d'évolution. Il y a un petit bouton aussi à l'arrière qui clignote de connexion qui va indiquer le statut selon le clignotement. Et après, il y a juste une lumière en dessous pour donner un côté esthétique où il flotte, mais c'est tout ce qu'il y a comme afficheur. Alors, le truc qui est marrant pour les gens qui ne connaîtraient pas le produit, ce n'est pas un produit nomade. Absolument. C'est-à-dire que là, lui, il a besoin d'être plugué sur ce secteur. D'abord, en nomade, ça c'est compliqué parce qu'il va consommer beaucoup. Il consomme pas mal. Comme il y a une électronique, on est d'accord à l'intérieur que l'électronique est conçue par Bowers & Wilkins. 100% Bowers & Wilkins. De A à Z. Dans tous les cas, il y a bientôt un reportage qui va se pointer puisqu'il y a des choses qu'on a été voir de chez Bowers, mais c'était pas le Zeppelin. Non. Donc moi, je suis content de t'avoir reçu parce que c'est un produit qui est iconique dans ma vie également parce que c'est un... Pour toi, certainement, c'est un produit qui a marqué la profession. Ça a marqué toute la profession. Toute la profession et les voir revenir comme ça. Je continue à penser que c'est une façon de revenir sur le devant de la scène. Et clairement. Voilà. Et ils ont raison de le faire parce que c'est important qu'on se fixe à des bases comme ça. C'est une marque qui est tellement aussi dans certains produits haut de gamme, donc qui ne touche pas un public hyper large. Voilà. Formation. Voilà. Donc là, on essaye de revenir avec un public un peu plus large, toucher plus de monde. Et vraiment, je pense que c'est vraiment un beau produit iconique pour arriver sur ce marché. C'est un truc qui n'a pas besoin, à la limite, d'avoir d'autres éléments autour. C'est-à-dire que le Zeppelin dans une pièce peut déjà remplacer d'autres éléments de par la qualité audio. C'est le souvenir que j'en ai. Ça remplace largement une bonne petite chaîne, sans aucun problème. Voilà, c'est pas moi qui le dis, comme ça c'est mieux. Voilà. Yann, je te remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions. Voilà. Et le Zeppelin vous attend, bien sûr,
sur le stand Bowers and Wilkins. C'est la fin de cette session. Tout à l'heure, vont arriver d'autres personnes. J'ai aussi hâte que pour Yann, puisqu'il y a iSense qui va parler de Laser TV. Première fois que je parle de Laser TV ici sur le PAVS. Donc c'est fou tout ce qui se passe. Et il y aura également Panasonic avec l'OLED et d'autres surprises. Restez bien avec nous. Allez, et encore merci au public. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Merci. Merci.